C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, viens toi au cœur de nos vies, viens vivant, ô Jésus-Christ, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, et c'est là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.
brillant de lumière, l'ange est descendu. Et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, et lui c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, notre Dieu est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Tiendrai-je encore s'il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, t'aimer d'une main forte, l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompe de résonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi se rage, ça y est ferme et fort, debout de décourage, si redouble d'effort, debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus,
l'amour invincible. Soldats, ne vêtez-vous. Le triomphe ayant fait possible pour qui lutte avec nous. Debout encore. Lutter jusqu'au matin. Déjà brilla l'aurore à l'aurore. Horizon lointain. Bientôt jeta nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes. Le trompe après la croix. Réveille-toi notre amour et partons avec oui, la victoire est sûre. Fidèle, le Seigneur tout-puissant, arrivé dans notre amour et luttons avec cœur. Le secours se mesure aux besoins de nos cœurs. Soldats, plus riche est la promesse et plus ferme ton bras. Réveille-toi dans ta mire et souffrons avec cœur de plaintes et murmures. Sachons garder nos cœurs. L'épreuve aura son terme. Et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme dans la foi, dans l'amour. Réveille-toi notre amour et mourons avec cœur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Aux rives éternelles, il nous montre le port. Nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour tout ce que tu as fait pour Papa, nous, merci pour la semaine qui est passée, Papa, merci parce que tu Papa, n'as jamais failli Papa, à notre vie. Papa, merci pour ta bonté merci. Éternelle. Papa, nous avons vu les nouvelles partout dans le monde. Amen. Beaucoup ont perdu leur vie. Et tu nous as gardés en vie, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Tu nous as préservés de tout mal. Papa, nous te remercions. Ouvre ta bouche et remercie Dieu pour le souffle de vie. Ouvre ta bouche, remercie Dieu pour les bienfaits. Et ouvre ta bouche, remercie Dieu parce que tu as passé une semaine de plus dans ta vie. Merci Jésus, merci Agneau de Dieu, merci Prince de Paix, merci Lumière du monde. Merci Seigneur pour ta bonté éternelle. Merci parce que tu nous as jamais abandonnés. Merci parce que tu ne somnoles ni ne dors.
Raya kapata ya kata ta 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 Merci pour la santé, merci pour tout ce que tu permets, merci pour la nourriture, merci pour tes promesses que lesquelles tu as dit que même si la bataille est dure, tu es là avec nous. Amen. Ah papa, merci pour tes promesses, merci Seigneur, merci Agneau de Dieu, merci pour la préservation de vie, merci parce que tu ne nous as pas permis que quelqu'un vienne vivre. Et dans ton cœur qui peut t'empêcher de connecter avec Dieu, demande pardon maintenant, ouvre ta bouche et demande sa miséricorde, que sa miséricorde prépare. Pardonne-moi sa majesté, pardonne-moi sa majesté, là où j'ai failli, là où j'ai failli, papa, pardonne-moi, pardonne-moi ma maison, papa, pardonne-moi sa majesté, je vois que j'ai failli, mes ancêtres ont failli, mes enfants ont failli, sa majesté, papa, pardonne-moi, pardonne-moi ma maison, papa, pardonne-moi, pardonne ma maison, papa, pardonne-moi au nom de Jésus, papa, pardonne-moi au nom de Jésus. Papa, pardonne-moi, papa, pardonne-moi, maison, papa. C'est ta mère qui a cassé, 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 Ouvrons notre bouche maintenant, demandons que le Saint-Esprit
vienne et couronner notre vie. Ah, nous demandons la présence du Saint-Esprit maintenant. Que l'Esprit de Dieu descende. Que l'Esprit de Dieu descende et prenne la première place. L'Esprit de victoire. L'Esprit qui connaît comment intercéder. L'Esprit qui connaît le fond de nos pensées. L'Esprit qui connaît ce qu'il nous faut dans cette, lorsque nous nous présentons devant Dieu. Esprit de Dieu, viens et prends la première place. Sonde-nous, sonde-moi, couvre-moi. Brise-moi, façonne-moi, Esprit de Dieu, brise-moi et façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens et parle pour moi. Prends la première place dans cette plateforme maintenant. Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Ah, Esprit de connaissance, Esprit de sagesse. Viens et prends la première place. Esprit de Dieu, viens. Que je descende au fond de moi, et que tu prennes la première place maintenant. Que je descende, mon frère, que ma soeur, que toute personne sur cette plateforme descende, et que toi seul prennes la première place. Nous t'invitons, nous t'appelons maintenant, Esprit de Dieu, viens et prends la première place. Nous t'appelons pour que tu nous guides, pour que tu nous sondes. Individuellement, tu connais ce que chacun a besoin. Sonde-nous, Esprit de Dieu. Collectivement, Esprit de Dieu, viens. Ne nous abandonne pas, Esprit de Dieu, nous te remercions et nous te donnons audience maintenant au nom de Jésus. Nous te donnons une grande audience avec nous maintenant. Ah, Esprit de Dieu, viens et prends ta première place. Ah, prends la première place. Ah, fais tout, fais seulement ce que toi seul peux faire pour nous. Fais seulement ce que toi seul peux faire pour nous. Ah, fais ce que toi seul qui peux faire pour nous. Esprit de Dieu, viens et intervient maintenant. Esprit de Dieu, viens et touche nous individuellement. Touche les cœurs. Touche les cœurs de ma soeur, de mon frère. Touche les cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant verser le sang de Jésus et nous couvrir du sang de Jésus. Nous allons cacher tout ce qui nous concerne, nos enfants et tout ce que nous avons dans le sang, dans le précieux sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang qui de la nouvelle alliance. Ah, j'asperge le sang de Jésus dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Ah, autour de moi, dans ma maison, dans mon environnement, dans mon quartier. Ah, j'asperge le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus à tous les niveaux de ma vie. Ah, sang de Jésus, viens et prends la première place. Ah, le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui parle de bonnes choses plus que le sang d'Abel. Ah, j'appelle le sang de Jésus maintenant dans cette plateforme, à que nos oreilles, nos bouches soient chargées du sang de Jésus, à que notre cœur soit chargé du sang de Jésus. Je me plonge dans une piscine, dans la piscine du sang de Jésus maintenant. Je plonge ma famille dans la piscine du sang de Jésus. Ah, je nous plonge dans la piscine du sang de Jésus. Ah, que le sang de Jésus nous garde, nous préserve de tout mal. Ah, je trace la ligne de bataille maintenant avec le sang de Jésus. Je dresse une muraille de sang de Jésus autour de moi et autour de ma famille, autour de mes enfants, autour de tous ceux qui sont précieux à moi. Arrête ma au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je demande maintenant que le ciel s'ouvre sur chacun de nous. On demande que le ciel s'ouvre et que la gloire de Dieu, que les anges descendent et ascendent, que les anges ascendent avec tes prières et descendent avec les réponses. Ah Seigneur, ouvre les cieux au-dessus de moi, ouvre les cieux au-dessus de ma tête, ouvre les cieux au-dessus de la tête de mes enfants, partout où ils peuvent se trouver maintenant. Je demande que le ciel s'ouvre et que les anges soient dispatchés dans les quatre coins du monde, que les anges soient dispatchés partout
ma bénédiction, où tout ce qui me concerne se trouve, que les anges aillent récupérer et ramènent vers moi au nom de Jésus, et que mes prières montent maintenant à que l'eau de vie venant du trône de grâce descende sur nous maintenant là, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, merci pour ta bonté. Nous te disons merci, Sa Majesté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Papa, merci pour cette présence majestueuse devant toi. Merci papa, pour tes enfants. Merci papa, parce que tu nous as donné même l'opportunité d'ouvrir ce téléphone aujourd'hui. Papa, nous te disons merci Seigneur. Papa, nous te merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Viens et siège avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix du Christ soient avec nous tous, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Lamentations, chapitre 5, verset 7, il dit très bien que nos parents ont péché, ils ne sont plus, mais nous en souffrons. Je paraphrase. Nos parents ont péché, ils ne sont plus. Mais nous en souffrons. Alléluia. Mm-hmm. C'est-à-dire que des gens ont vécu, ils sont morts, d'autres fois ils sont même encore vivants. Mais pourquoi je souffre de l'existence des gens qui a, il y a déjà 200, 400, 400 ans, et même des gens qui sont même encore là, mais pourquoi j'en souffre? C'est ça qui nous amène encore à ce, qui va nous amener à ce thème que je vais partager avec nous ce soir, ou encore ce matin, suivant la place où tu te trouves. Le thème, c'est comment se libérer maintenant des malédictions qui sont attachées aux différentes alliances maléfiques qui ont été faites dans le passé. Alléluia. Comment se libérer des malédictions, la malédiction, le mal, il y a le mot mal dedans, qui sont attachées aux alliances, il y a le mot alliance. Les alliances maléfiques. Alléluia. La Bible dit dans Galates 3, quand chacun entend le mot malédiction, j'invite chacun de nous de savoir toujours que quand tu entends le mot malédiction, sois prêt à ouvrir Galates 3 de 13 à 14. Quand tu entends le mot mauvaise alliance, va très vite pour ouvrir Colossiens chapitre 2, de 14 à 15. Alléluia. Parce que c'est les deux racines. Quand tu entends le mot malédiction, il m'a maudit. Il a fait prononcer ce mot-là. Va vite dans Galates 3, 13 et 14. Oh, il est entré dans des choses qui ne marchent plus. C'est les mauvaises alliances. Va vite dans Colossiens 2, 13, 14. Même prince. Alléluia. C'est le petit secret qu'il faut que chacun ait toujours derrière sa tête. La Bible dit alors, quand tu as entendu le mot malédiction, la Bible dit dans le mot, dans Galates 3, verset 13 à 14, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Il dit très bien que Christ nous a rachetés. C'est-à-dire qu'on avait été vendus au péché. Maintenant, par sa croix, maintenant, il nous a achetés back. Ça veut dire qu'il y a un marché où on vend des gens. Ce qui fait que quand tu songes, tu te trouves dans un marché, sache que c'est les écrits là.
Donc le sang qu'il a versé sur la croix là, c'était pour te racheter. Ça veut dire que tu étais vendu. Le péché que les autres ont commis, et plus même de tes propres péchés, t'ont vendu au monde satanique. Alors Jésus est venu. Les péchés, par exemple, le mot loi que tu vois là dans le verset là, c'est la malédiction de nos coutumes que tu as grandi dedans, que tu as gêné dedans. Alors, alléluia. Dont les malédictions sont souvent établies comme les malédictions, c'est souvent la conséquence de la violation des alliances. Et quand j'ai dit que quand on dit le mot alliance, on se rappelle de quel verset? De Colossiens chapitre 2, de 13 à 15. Donc, quand le chapitre de Colossiens 2, 14 à 15 a été violé, alors Galates 3, de 13 à 14, tombe déjà dedans. Donc, les malédictions sont souvent établies comme souvent, c'est souvent la conséquence de la violation des alliances. Et Dieu, il ne s'amuse pas avec les alliances. Et c'est pour ça que Satan est plus proche des alliances et des malédictions. Beaucoup de gens, souvent inconscients, sont entrés dans les alliances sataniques. Des alliances qu'ils ne le savent pas. Parfois, ils brisent ces alliances et se libèrent des malédictions associées. D'autres fois, les gens disent que les alliances maléfiques, compte que tu entends là, les alliances maléfiques, alliées, ça veut dire mettre ensemble, qu'on va faire quelque chose. Peu importe si, quand c'est maléfique, ça veut dire qu'on va faire quelque chose de mauvais aux yeux de Dieu. Donc les alliances maléfiques devaient être brisées. Et ils devaient se libérer des malédictions associées. Parce que n'importe quelle alliance, quand tu te lies à quelqu'un, le mariage, c'est une alliance. L'amitié, vous vous alliez. Et maintenant, là, il y a les bénédictions ou bien les malédictions qui sont associées au fait que vous êtes liés. Donc, les malédictions sont directement souvent opposées aux bénédictions. Quand tu entends le mot bénédiction, le contraire de bénédiction, c'est malédiction. Lorsque vous maudissez, vous prononcez un souhait de mal contre une personne. On peut maudire une personne. On peut maudire même une chose. On peut maudire une bague pour te donner. On peut maudire une nourriture. Ou bien on peut maudire une voiture avant de te donner. La malédiction, c'est les mots prononcés là-dessus. Ou bien l'état de pensée de la personne par rapport à cela avant de te remettre. Donc, on peut prononcer, donc la malédiction c'est prononcer un souhait de mal contre soit une personne, soit une chose, soit un groupe même de personnes. C'est-à-dire que maudit, c'est amener le mal ou le tort sur une personne, sur une chose, ou bien sur un certain nombre de personnes. Ça veut dire que la malédiction c'est une façon de lier une personne avec un envoûtement. Comme les sorciers le font. Donc, une violente expression de mal contre quelqu'un, c'est une malédiction. Une violente expression de mal contre quelqu'un est une malédiction. Les malédictions sont souvent des paroles mises ensemble pour tourmenter quelqu'un avec une grande calamité. C'est-à-dire que quelqu'un se met là, il parle de la même manière que quand tu es en train de prier, tu répètes les mots à haute voix. Ça prend effet de la même manière. D'autres personnes, ils prononcent le nom de quelqu'un, ils ne font que de prononcer des mots négatifs sur la personne. Il est en train d'envoyer la parole négative pour maudire la personne. Lorsque nous considérons les malédictions et les mauvais effets sur les gens, nous voyons quels ont été les véhicules de plusieurs problèmes. C'est ça qui apporte plusieurs problèmes aux gens. D'autres fois, tu te lèves comme ça le matin, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi tu te retrouves à ce niveau-là? Tu es trop fâché, il y a quelque chose qui ne tient pas.
Et en fait, quelqu'un quelque part serait en train de prononcer ton nom avec trop de négativité. Jamais vécu ça tous les jours, pour longtemps, pour des années. Et une malédiction, alors, c'est donc quand c'est prononcé ainsi, il envoie cette prononciation maintenant dans les airs et ça va maintenant pour commencer à mettre une barrière sur ton destin, une barrière sur ce que Dieu Dieu envoie les anges pour te donner. Ça place maintenant la barrière. Donc nous devons savoir que personne ne veut être maudit. Tout un chacun, nous tous, toi et moi, nous voulons être bénis. C'est pourquoi les hommes, promptement, quand tu bénis quelqu'un, il est très content. Et maintenant, quand tu maudis quelqu'un, il réagit. Mais maintenant, là, quand il y a des malédictions cachées, quand il y a des malédictions cachées dans ta vie le plus souvent, tu te retrouves en train de prendre des mauvaises décisions le plus souvent. Tu fais face trop à l'esprit d'échec. N'importe quoi que tu fais, ça ne marche pas. Parce qu'il y a les malédictions. Il y a des malédictions qui sont ouvertes, des malédictions qui sont trop cachées. Rappelle-toi toujours quand tu prononces le mot malédiction, tu gardes à toi. De 13-14. Alors, quand les malédictions sont prononcées sur quelqu'un, le corps de la personne devient pollué, sale. Et maintenant, souvent, tu te lèves le matin, toujours trop de chagrin. Et maintenant, des mauvaises pensées, des pensées étranges commencent à visiter la personne. On peut faire un hôtel satanique pour prononcer le nom de quelqu'un. Et quand on prononce ça négativement, alors ça commence à faire effet. Par exemple, on est en train d'envoyer la malédiction sur le côté financier ou bien pour sur le côté école de la personne. En ce moment-là, si la personne qui est en train de lancer ça, il est au contraire assis dans un cimetière, à partir de minuit, il lance là. Alors d'autres fois, tu t'assois comme ça, tu entends comment quelqu'un est en train de prononcer ton nom. On utilise la voix de quelqu'un que tu connais très bien. Et tu te tournes. D'autres fois, tu réponds. Mais quand tu réponds déjà, c'est déjà coché dans la liste des affections, des problèmes que tu vas faire face. À ce niveau-là, quand la personne est maudite, il ira de problème en problème, de mal en mal. De mauvais succès à mauvais succès. Alléluia. Mais à ce niveau, je vais encore nous expliquer comment ces malédictions opèrent dans nos vies. Il est très facile de reconnaître quelqu'un qui opère sous une malédiction. Parce que la personne, le plus souvent, toujours sera face en train de faire quelque chose qui n'arrivera jamais. Je vais donner un exemple de moi-même. J'étais en train de partager avec l'une des sœurs l'autre jour, où pour passer le permis de conduire ici, j'ai fait 5 ans. Que quelqu'un qui n'a même jamais été à l'école, il vient, il passe le permis de conduire. Avec ça, tout seulement, tu comprends qu'il y a une malédiction cachée. Ou bien, il y a quelqu'un qui est là en train de te maudire 24 heures sur 24. Il y a un hôtel de malédiction qui est dirigé contre un domaine de ta vie. Alors qu'à ce niveau-là, tu seras toujours en train de lutter pour arracher quelque chose qui paraît toujours tu te trouveras toujours... Ce sera toujours impossible pour toi de surmonter la difficulté. Alléluia. C'est-à-dire que quand l'homme est sous une malédiction, au moment où tu veux avoir un succès, maintenant tu rates encore, tu rentres encore au point de départ.
Je me rappelle que quand on ici en Amérique, le plus souvent, quand tu veux passer le permis, le jour de la pratique, on te fait t'asseoir là, tu conduis et la personne qui va te noter pour définir que si tu connais très bien conduire, il s'assoit à côté de toi, il te regarde conduire et si tu respectes bien le feu. Tout le temps, moi, le plus souvent, quand j'apprenais très bien, au moment où je m'assois comme ça, je suis concentré que non, je ne vais commettre aucune erreur. D'autres fois, je viens comme ça, là, je démarre avant de lever la voiture comme ça, là, il n'y a que le frein à main que j'ai oublié. Et c'est fini comme ça. On me dit, sors, va encore apprendre. Te voilà, il te faut encore reprendre encore, rentrer, apprendre encore, il te faut attendre un mois, mais peut-être deux mois. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu es en train de fonctionner sous une malédiction qui est en train d'être prononcée sur toi depuis quelque part. Donc au point du succès, la frustration arrive parce que la personne a été placée sous une malédiction et cette malédiction-là te limite. Ainsi, elle s'arrête à un certain niveau. Si une malédiction est placée sur une personne, qu'elle ne se déplace pas en éducation, le niveau de secondaire. On peut placer une malédiction que dans ton compte bancaire, tu n'atteindras jamais 1000 francs CFA. On peut placer une malédiction à tous les niveaux. On peut placer une malédiction sur tes finances. La malédiction sur le foyer qui n'aura jamais de paix. La malédiction à tous les niveaux. Tous les catégories, tous les essais qu'une personne maudite fera pour passer un examen, par exemple d'entrer à l'université, vont toujours être avortés si la personne est sous une malédiction. Tous les efforts seront frustrés parce qu'il y a une force en présence qui agit comme une barrière que tu ne vois pas, que tes yeux et mes yeux ne voient pas, qui empêche la personne d'avancer. En d'autres termes, la malédiction, c'est une barrière physiquement invisible. Ces malédictions-là, le plus souvent, apportent des influences maléfiques qui peuvent amener à toutes sortes de mauvaises choses. D'autres fois, cette malédiction-là peut t'amener à te décourager pour que tu quittes. Et maintenant, tu vis maintenant dans une vallée de déception, de murmures, de chagrin, et qui peut t'emporter la vie. La malédiction peut conduire à une frustration chronique, à des problèmes. À cause de la malédiction, quelqu'un peut être possédé complètement. Parce que ça ouvre la porte maintenant à des esprits maléfiques, de trop d'esprits. Aussi, sachons très bien que la malédiction peut être transférée à quelqu'un. Elles peuvent être transférées de parents aux enfants. Si ton père a été maudit, telle place, parce qu'il avait fait telle chose, ou bien ta maman a été maudit à cause de telle chose, ou bien ta maman a peut-être couché avec le mari de quelqu'un. La Bible dit déjà qu'elle est maudite. Et cette malédiction-là tombe sur la personne qui sortira de ce ventre-là. Automatiquement. En d'autres termes, c'est pour ça que la Bible dit que j'ai puni l'iniquité des papas sur les enfants. Ça veut dire que c'est une malédiction. Donc les malédictions, ces malédictions-là, et quand le Seigneur dit par exemple que j'ai puni l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération, ça veut dire que les malédictions ont des effets sur les gens. Et ces effets-là sont souvent durables. Ces effets-là peuvent aller de génération en génération. C'est pour ça, le plus souvent, tu te poses souvent la question que, mais pourquoi telle chose se passe dans ma vie? Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi telle chose? Mon frère, ma soeur regarde toujours que mon père, c'était comment de sa part? Ma mère qui m'a accouché, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que tu sais d'abord d'office que la malédiction peut se transférer. En d'autres termes aussi, toi-même aussi, ce que tu fais de négatif, regarde l'enfant qui est sorti de ton ventre.
Si tu crois que tu fais négatif pour toi seul, tu es en train de transférer comme ça là la malédiction sur ton enfant. Or, le Seigneur veut que tu transfères la bénédiction. Donc la malédiction peut aller de génération en génération. Je vais parler de l'exemple de la malédiction qui a été prononcée sur Jéricho. Et cette malédiction qui a été prononcée sur Jéricho cette malédiction a été brisée jusqu'à 300 à 500 ans après son émission. Donc, on a prononcé une malédiction sur Jéricho. C'est après près de 300 à 500 années que cette malédiction a été brisée. En d'autres termes, une malédiction, un mot, ou bien quand tu fais un rapport sexuel avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme, ça continue et ça a des effets de longue durée. Pas de mari, ceci, cela, les finances, ainsi de suite. Pourquoi le dossier malédiction est derrière toi? Quand le prophète Élie, l'homme de Dieu, est venu, il a identifié le problème que Jéricho avait été maudit il y a de cela de 300 à 500 années. En d'autres termes, une génération des gens dans ta famille, peut-être jusqu'à toi comme ça, là, vous souffrez, les gens meurent avant. D'autres personnes n'arrivent pas à 30 ans avant de mourir. Les gens se marient, ils rentrent vite. Ainsi de suite. Ça peut être une malédiction qui a été là et qui est partie de génération en génération. C'est parti de cordon ombilical en cordon ombilical. De cordon ombilical en cordon ombilical. De cordon ombilical en cordon ombilical. Jusqu'à ce que toi-même, maintenant, comme c'est écrit dans le livre de Lamentation, chapitre 5-7, il dit que mes parents ont péché, ils ne sont plus, mais je souffre. Ça veut dire que cette malédiction ne fait que continuer, c'est encore sur moi. Et plusieurs gens aujourd'hui, même dans la Bible, dans la société, dans l'église, ils préfèrent rester tranquilles pour continuer à transférer la malédiction de la génération que lui il a hérité et sa part de malédiction que lui-même il a fait sur l'enfant qu'il a encore à la maison là maintenant là. Le Seigneur demande que toi identifie alors la malédiction toi-même et cours pour arrêter pour que ça ne continue plus. Pour que tu transmettes au contraire la bénédiction. Quand le prophète Élie est venu maintenant, il a identifié sur sa génération, cette malédiction. Il a brisé la malédiction. Et ainsi seront brisées alors mon frère, ma soeur, que toutes les malédictions dans ta vie soient brisées aujourd'hui au nom de Jésus. Non, les malédictions dont on parle ont des effets très catastrophiques. Des gens ne devaient pas hésiter de se libérer des effets de la malédiction. Et les gens devaient éviter. Les malédictions agissent comme des boucliers. Les malédictions sont toujours de nature. Les malédictions sont toujours de nature à favoriser la prise, la tranquillité des mauvais esprits dans quelqu'un. Si tu veux, le plus souvent, les délivrances durent trop. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suffisamment travaillé, Galates chapitre 3, de 13 à 14, pour annuler les malédictions. Il y a des qualités et des qualités. Mais il n'y a qu'un seul verse. Il y a l'un des versets que tu peux utiliser, c'est Galates 3, 13 à 14. Parce que les malédictions sont pleines. Deutéronome 28 parle trop de malédictions. Mes frères et sœurs, je vais vous parler même des sources de malédictions. Et les sources sont nombreuses.
Si une malédiction vient sur une personne, sur une personne de Dieu, la personne doit se repentir vite et s'éloigner de ce qu'elle faisait et qui a amené la malédiction que Dieu seul peut enlever. Pourquoi te repentir? Parce que quand tu regardes l'enfant devant toi là, l'ennemi veut que tu ne te repentes pas. Pour qu'il porte ça directement, il dépose sur l'enfant là. Right away, directement. Ça ne perd pas 2 secondes. Mais quand tu te repens, il enlève, le Seigneur enlève du coup et l'ennemi est fâché. Donc la repentance, en fait, te donne la faveur. Libère ton enfant. Plusieurs des choses de tes enfants, le plus souvent quand tu viens, quelqu'un vient, que frère chrétien, il y a telle chose pour mon enfant, il y a telle chose, mon enfant a fait telle chose. Je dis que toi-même d'abord, il faut que je te check. Il faut que l'Esprit de Dieu regarde à quel niveau toi-même tu te trouves. Pourquoi? Parce que la malédiction est transférable. Toutes les malédictions de Dieu sont par la suite de désobéissance, toujours. Rappelons-nous tout très bien que la première personne à prononcer la malédiction dans la Bible, c'était Dieu lui-même. Il a placé la malédiction sur Adam et Ève quand ils ont mangé le fruit interdit, le fruit défendu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore toute la même chose. La désobéissance en Dieu invite toujours la malédiction de Dieu. Et seul Dieu lui-même peut toujours les enlever. C'est pour ça qu'on parle des Écritures. Dans nos traditions, on dit que quand tu as fait telle chose, apporte un sac de riz pour la repentance. Mais on prend le riz, on mange et le problème reste entier. Mais la Bible dit très bien, le Seigneur dit qu'il n'y a que la parole de celui-là qui a créé la malédiction même. Qui peut enlever la malédiction? Les malédictions peuvent venir des agents sataniques, des sorciers, des sorcières, de ta maman, de ton père, de ton maître, de n'importe quelle personne qui est en charge de toi, même au lieu de travail. Des malédictions, en Afrique, depuis on dit qu'on dort toujours avec la malédiction, on se réveille toujours avec la malédiction. Tu es au lit, en train de dormir, quelqu'un se vient pour te taper, on dit que toi là, un faux rien là, on t'a maudit. On dort avec la malédiction, on se réveille toujours avec la malédiction. Alléluia. Alléluia. Je vais nous interpeller sur les lois qui sont autour de la malédiction. Il y a beaucoup de lois spirituelles dans la Bible qu'on ne peut pas briser si ce n'est pas rien que la Bible elle-même. Alléluia. Premièrement, sachant que une malédiction ne peut pas venir en toi sans une cause. Tu ne peux pas être maudit sans une cause. C'est ça qui est écrit dans Proverbe chapitre 26, verset 2. Il dit: comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sont, les malédictions sont non point d'effet. C'est le Proverbe 26, verset 2. Donc une malédiction qui n'a pas de cause ne peut pas avoir effet en toi. Une malédiction non méritée ne viendra pas à moins que la personne la tolère. Par exemple, je t'ai dit de laver les assiettes. Je suis venu que tu as lavé toutes les assiettes. Mais je te dis maintenant que tu es maudit parce que tu n'as pas lavé les assiettes. Mais le ciel lui-même voit que tes assiettes sont lavées. Mais j'ai libéré en toi une malédiction qui n'aura pas d'effet. Ceci signifie que quand il n'y a pas d'espace d'atterrissage, quand il n'y a pas de l'aéroport de cette malédiction, bien sûr, ça ne peut pas se passer. À moins que
la personne soit en train de te transmettre comme ça une malédiction qui vient au contraire peut-être de ton lieu de naissance, que quelqu'un est en train d'utiliser la personne pour te faire. Alléluia. Ceci encore signifie que rien ne peut prendre racine en toi et moi, à moins qu'il y ait une juste raison derrière cela. C'est pour ça que le plus souvent le Seigneur dit que pour être d'un côté très clair, pour être d'un côté de sécurité, il faut prier sans cesse. Quelque chose qui a été émis par la bouche de quelqu'un, il faut annuler. Je ne sais pas si c'est une malédiction qui est juste ou pas, mais je dis que tout ce qui a été émis contre moi, par qui que ce soit, quoi que ce soit, je l'annule. Je l'annule par le sang de Jésus. Il n'y aura pas d'effet parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus m'a racheté de cette mauvaise parole-là. Alléluia. La deuxième chose encore, c'est que une malédiction, à moins qu'une malédiction soit brisée, elle continue toujours d'opérer. Oh. Si par exemple, tu es quelqu'un comme ça, là, que tu n'as pas confessé le péché, je me suis marié aujourd'hui alors que je vivais dans toute la débauche. Si je n'ai pas confessé cela, ça veut dire tout simplement que, ayant vécu dans la débauche, j'ai détruit la femme de quelqu'un, ou bien si je suis femme, j'ai détruit la virginité du mari de quelqu'un. Cela m'a amené, suivant la parole de Dieu, une malédiction. Or, si je ne confesse pas de ma bouche, et je crois que Jésus m'a sauvé, pour que lui maintenant, par son sang, cette malédiction-là soit écrasée, soit brisée, elle va continuer jusqu'aux enfants des enfants. Ne sois pas surpris d'apprendre, par exemple, que l'enfant est devenu gay, l'enfant est polygame, il est marié dans une voie polygame. Tout ça sont tous les nerfs de cette malédiction. Les malédictions, c'est très dangereux. La troisième chose, c'est que les malédictions sont spirituelles. Ce n'est pas physique que tu vas venir avec un sang de riz. Ou bien je ne dois pas ouvrir ma bouche pour te maudire. Et après, maintenant, aller acheter une bonne veste pour te donner. Non! Une malédiction prononcée sur quelqu'un est spirituelle. Elle doit être résolue spirituellement. Tu vas me donner une très bonne veste, une très belle chaussure, mais le problème est resté. Ou bien, Les meilleurs amis que j'ai eu, qui étaient des chaudes filles ou bien des chauds gars, je n'ai pas demandé la confession de ça. Je suis tout seul resté tranquille, comme pour dire que le temps est passé et que je ne suis plus là-bas. Physiquement, pour toi, tu crois que c'est comme depuis 30 ans, je ne suis plus dans le monde. Non, dans le monde spirituel, c'est encore écrit dans ton livre de vie que toi, tu n'es que fornicateur. Et maintenant, là, c'est quand tu vas dire, maintenant, Seigneur, j'ai fait telle chose, que le sang de Jésus me pardonne. Maintenant, dans le monde spirituel, le Seigneur va prendre la brosse du sang de Jésus. Il va effacer, il va ouvrir la page de ta vie, effacer la page de sang. Effacer maintenant, là, si bien que cette page-là, la tête de là doit être blanche. Donc, quand quelque chose se passe, mon frère, ma soeur, ne couvre pas le péché. Ne porte pas quelque chose pour donner à personne, à quelqu'un pour dire que oublie le placé. Non. Ouvre ta bouche parce que tout ce que la malédiction a été émise par la bouche. Alors dispose ton cœur maintenant, utilise la même bouche pour la guérir. La Bible dit très bien, mon frère et ma soeur, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La personne a utilisé la langue pour libérer la mort dans ta vie. Ou bien tu as utilisé ta langue pour libérer la mort dans la vie de quelqu'un. Utilise maintenant la même langue maintenant pour libérer, confesser la vie. Afin que cela soit maintenant opéré. Alors, alléluia. Une autre chose, c'est que les péchés permettent toujours aux malédictions de rester.
si tu demandes, que cette malédiction-là soit fracassée, soit cassée, soit brisée, mais tu continues à vivre ce péché-là, ça veut dire que tu as dit que, esprit, que le mauvais esprit part, mais reste avec moi. Ça veut dire que quand tu continues à vivre dans le péché, ces esprits-là vont rester avec toi. Ils vont dire que non, on est ensemble. Donc pour la liberté complète, on doit avoir une repentance complète. Alléluia. Donc les démons aiment beaucoup propager les malédictions. Parce que c'est ça qui leur permet de rester en l'être humain. S'il y a quelque chose que je conseille le plus souvent aux gens, c'est Colossiens chapitre 2, de 13 à 15. Galates chapitre 3, de 13 à 14. Pour briser les mauvaises alliances, pour annuler les malédictions. Parce que c'est la racine de tous les problèmes dans nos vies. Tout. Alléluia. Et les mauvais esprits aiment beaucoup les malédictions et les mauvaises alliances. Beaucoup. Et il préfère que toi, tu n'entres pas dans la Bible. Il préfère rester. Puis il préfère que le chrétien reste et se dit, par exemple, que c'est oublié. Il préfère que tu crois, par exemple, que le temps est passé. Et que comme tu avais commis ce péché, qu'on avait commis le péché là, il y a de cela 20 ans. Et que maintenant là, l'ennemi a oublié et que ce n'est plus dans ton livre de vie. Non. Rappelons-nous très bien dans Galates 3, 13 à 14, il dit que le Christ nous a rachetés des malédictions par substitution. C'est-à-dire qu'il a donné son sang. Il a pris la malédiction qu'il pose sur toi. Donc quand tu gagnes une malédiction, il faut maintenant là, quand il y a une malédiction, ça veut dire que quelqu'un est vendu. Tu as ouvert ta bouche, tu as vendu, tu as pris ton enfant, tu as vendu à Satan. Tu as ouvert ta bouche, tu as pris ton propre corps, tu as vendu à Satan. Tu as pris tes pieds. J'entends souvent les gens, eux-mêmes, ils disent que mes pauvres pieds-ci, ça, ils maudissent ses propres pieds. Donc tu prends tes pieds, tu vends à Satan. Satan te dit merci. Ça veut dire que rien ne marchera plus encore dans ta vie. Et maintenant, là, comme tu as toi-même utilisé ta propre bouche, et que toi, tu t'es vendu au marché des ténèbres où Satan est roi là-bas, utilise maintenant le sang de Jésus maintenant pour te racheter. C'est le troc, non? Le commerce par le troc, non? Là, donc, tu donnes le sang de Jésus, tu reprends ton pied. Tu donnes le sang de Jésus, tu reprends ta bouche. Parce que le plus souvent, les gens, ma pauvre bouche-ci. Oh, Jésus lui-même, quand il mettait la bouche sur toi, il a dit, après avoir mis la bouche sur toi, il a dit que c'était bon. Maintenant, toi, tu l'as maudit toi-même. Alléluia. Une autre chose que nous devons connaître toujours, c'est que une malédiction qui a été lancée sur toi et qui est injuste, elle va toujours rentrer à l'envoyeur lui-même. Si quelqu'un a fait état maudit sans une raison, cette malédiction a toujours retourné à la personne. Et aussi, il y a des gens que Dieu a déjà d'abord maudit lui-même. Quand Dieu maudit quelqu'un, ne tente jamais d'aller bénir la personne. Si tu vas bénir quelqu'un que Dieu a maudit, tu es en train de partager la même malédiction. Dieu te range dans le sac de la même personne. C'est ce même Dieu qui a dit à Jérémie que pour ses enfants d'Israël, là, ne prononce plus leur nom près de moi. Alléluia. Maudit quelqu'un que Dieu a béni revient à la personne émettant la malédiction. Une malédiction divine en retour. Donc, ne maudissez pas celui que Dieu a béni. Ne bénissez pas celui que Dieu a maudit. Alléluia. Un homme de Dieu, un prophète que Dieu a béni,
Fais attention. Ne va pas à l'encontre. Alléluia. Et normalement, suivant la loi divine, une malédiction ne doit pas affecter un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est obéissant à sa parole. Prie sans cesse, lis la parole, jeûner, vivre dans la sainteté, ainsi de suite. Donc, la malédiction, quand c'est un enfant de Dieu qui obéit à la voix du ciel, une malédiction ne peut jamais te rencontrer. Et quelqu'un peut être maudit inconsciemment. Tu ne sais pas que tu es maudit. C'est-à-dire que tu as porté tes propres pieds, tu es parti sur un terrain qui est maudit. À ce moment, comme si tu es dans une maison qui est maudite, tu deviens maudit par Dieu. Quand une personne est sous l'influence d'une malédiction, les prières ordinaires ne brisent pas la malédiction. Il y a des milliers de gens pour qui toutes les activités spirituelles connues semblent ne rien donner. Les gens affrontent une bataille qu'ils n'ont pas commencée. Les malédictions cachées sont une source de problèmes réels dans nos vies. Les malédictions cachées peuvent faire même surface quand les alliances maléfiques sont inconsciemment brisées. Alléluia. Il y a les malédictions, il y a les... par exemple, lorsqu'une personne brise le vœu du mariage, c'est-à-dire que le vœu du mariage, c'est que le lit du conjoint doit être sain. C'est-à-dire que le conjoint, si toi tu es allié à une autre personne et que tu es en amitié avec une autre personne, ça veut dire que le lit du conjoint, maintenant là, la loi est brisée. Alors, à ce niveau-là, les problèmes commencent à venir dans la vie de la personne. Quand, par exemple, quelqu'un, je vais prendre un exemple terre à terre, quelqu'un qui est marié, officiellement à l'église, il a un acte de mariage. Et maintenant, il va encore à se marier, avoir encore 4 autres femmes. Ça donne déjà 5 femmes. Le ciel connaît rien que la première femme. Toutes les autres femmes sont sous la malédiction du ciel. Toutes les jeunes filles qui se promènent avec les hommes mariés se placent ainsi sous la malédiction du ciel. Les jeunes filles qui sont toujours dans les cachettes avec les femmes, les hommes mariés. Les hommes qui sont dans la cachette avec les femmes mariées sont soumis à des malédictions du ciel. Parce que le Seigneur a rappelé très bien que les deux vont être un. Et s'il y a une troisième personne, c'est la malédiction du ciel. Alléluia. Toutes les malédictions des femmes mariées contre les arracheuses de mari fonctionnent comme du feu. Cela ne compte pas que les femmes soient nées de nouveau ou pas. Le ciel s'en fout de ça. Si tu sors un homme marié et que la femme à la maison est une sorcière, toute malédiction qu'elle va émettre contre vous sera tellement efficace. Ça va marcher 24 heures sur 24. Que tu sois né de nouveau, pasteur, révérend, quoi que ce soit. Alléluia. D'autres, les malédictions peuvent venir quand vous traitez les gens injustement. Quand une femme, par exemple, passe toute sa vie à sponsoriser un homme à l'école, et l'homme sort de l'école, maintenant au moment de se marier, rejette la femme et va se marier maintenant à une autre personne. Maintenant là, la malédiction commence à rentrer directement. Ce mariage-là, quel qu'il a contacté,
est déjà d'abord déjà maudit. Alléluia. Il y a les malédictions sont à plusieurs niveaux. Alléluia. L'immoralité sexuelle provoque les malédictions. Alléluia. Les gens qui couchent avec les animaux, les femmes de leurs frères, le mari de leurs sœurs, eux tous sont de plus en plus sous des malédictions. Un homme qui couche avec la femme de son père est directement sous la malédiction. Chacun sait que c'est dans Lévitique. Un père qui couche avec leur belle-fille ou les parents qui divertissent les invités avec leur fille ou qui utilisent leur fille pour obtenir des contrats ou les maris qui utilisent leur femme pour des affaires souvent sont maudites. Ça, c'est bien écrit dans Lévitique 19-29. Dans Lévitique 19-29, il dit que tu ne profaneras point la fille, ta fille en la livrant à la prostitution. Alléluia. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'un innocent est condamné, ceux qui donnent le jugement contre cet innocent sont directement sous la malédiction du ciel. Quand nous on tue quelqu'un par la sorcellerie, quand les gens tuent quelqu'un par la sorcellerie, la personne qui a tué est sous la malédiction du ciel. Je vais vous donner un exemple encore de la malédiction qu'une femme a acquéri. La femme pensait que son mari ne l'aime pas. Alors, la femme est partie à donner un produit d'amour que l'homme doit manger. Un produit qu'on lui a donné. L'homme a mangé cela et l'homme est mort. Alors, ceci a placé la femme sous une malédiction terrible du ciel. Quand tu voles la terre, ou bien quand tu confisques la terre, comme ça a été dans notre tradition, nos grands-parents, ils ont confisqué les terres, versé les sangs innocents, construit des maisons sur des terres frauduleuses. On acquiert la terre de quelqu'un et on vient construire, en deux jours, on a construit jusqu'à finir la maison. Tout ça, quand la personne qui fait ça comme ça, là, tous ses enfants même, sa génération est sous la malédiction. Quand je dis comme ça, là, quand tu regardes toi-même comme ça, tu te dis que ben, mes parents et les parents de mes parents sont passés par là. Ça veut dire que peut-être que j'ai cela. Alors tu te mets maintenant dans la prière. C'est ça qu'on appelle les malédictions parentales. Le versement de sang innocent, c'est des malédictions de longue date. Mais ça dure. Tu peux être comme ça que la malédiction qui pèse sur toi est, et il y a de cela plus de 50 ans, il y a plus de 100 ans. Si peut-être tu achètes une voiture et que la voiture a été volée, cette voiture-là, c'est une voiture maudite. C'est pourquoi quand tu achètes et tu ne sais pas, mais si déjà tu sais et l'Esprit de Dieu t'a interpellé que la voiture ici ne va pas là-bas, sache que c'est une voiture qui a été maudite. Maudite de quel sens? Ça peut être une voiture volée. Ça peut être, la voiture de quelqu'un qu'on a confisquée. Ça veut dire qu'on a peut-être qu'on a trompé quelqu'un et on a mis un certain nombre de choses. On a arraché la voiture d'un innocent pour venir te vendre. Ça veut dire que c'est une voiture maudite. Et si tu achètes cela, tu es maintenant soumis à la malédiction. Mais quand c'est pour ça que avant même d'acheter par exemple une voiture, le Seigneur t'interpelle toujours. Si tu demandes, par exemple, une voiture qui est volée, peut-être dans un autre pays et est vendue peut-être au Cameroun, ou bien dans tel autre pays,
Si tu es quelqu'un qui prie le plus souvent, le Seigneur va t'interpeller que tu es en train de chercher une voiture, mais ne va pas là-bas. Oh. Parce que si tu entres là, si tu achètes l'autre là, ça va devenir ton cercueil. D'autres fois, il y a les malédictions que les sorciers provoquent eux-mêmes de leur propre bouche. Ils parlent des choses négatives, des mauvaises choses, et pour malmener la vie des gens. Il y a des malédictions qui sont auto-imposées. J'ai donné l'exemple quand quelqu'un te dit que mes pauvres jambes-ci, hein, ma pauvre fille-ci, tu es en train de le maudire, croyant que tu es comme ça en train de faire la pitié. Et quand tu dis ça, Satan dit que merci de nous aider à la libérer entre nos mains. Alléluia. Si tu touches à quelque chose qui a été dédié à Satan, par exemple le péché de Achan, quelque chose qui a été dédié à Satan, tu deviens du coup maudite. Il y a les malédictions, la corruption des organes reproductifs, les maladies chroniques. Le plus souvent, tu as entendu parler que le sida, est un nombre de choses. Tout ça, en fait, le sida, c'est des maladies spirituelles. C'est la malédiction des parties génitaux. La mauvaise réputation, l'oppression. Tout ça sont toujours des choses qui viennent quand la vie de la personne est maudite. Alors, quand la situation est ainsi, on a besoin de prier pour briser la malédiction. Alléluia. Il faut briser. Il faut s'occuper de la malédiction. Il faut s'en tenir à tous ceux qui sont derrière ces malédictions-là. Et retourner la malédiction à l'envoyeur. Et pour faire ça, il faut se repentir. Renoncer au péché. Accepter, mon frère, ma soeur, le pardon de Dieu. Prononcez vous-même. Demandez qu'il te pardonne. Demande que le Seigneur te pardonne. Et demandez que le Seigneur te pardonne parce que tu as offensé. Ne pas garder la rancune. Renoncez à tous les contrats avec toutes les religions fausses, les choses fausses. Si tu es ami avec quelqu'un qui est maudit, c'est que la malédiction de la personne entre en toi. Et si le Seigneur t'a interprété que c'est pas toi. Tout ce que tu as appris et que le Seigneur t'a montré que l'autre là, c'est quelque chose de maudit, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut détruire cet article là. Parce que c'est pollué. Ou bien, si tu as acheté quelque chose là qui était maudite, tu dois la détruire. Verset 1 dans son, il t'a détruit. Et pour faire cela, il faut. Après que tu aies fait ça, maintenant, entre dans la prière agressive pour déconnecter ton esprit. Par exemple, tu peux dire que je commande à tout démon de malédiction attaché à ce matériel de me laisser maintenant au nom de Jésus. Peut-être qu'on t'a donné une bague et maintenant tu réclames maintenant les bienfaits à cause de Galates 3, 14. Il dit que lui il t'a libéré de la malédiction de la chose là pour que maintenant tu reçoives la bénédiction. Maintenant, tu peux commencer maintenant à réclamer la bénédiction. Après ça, tu dois rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier quelques 4 points de prière. Alléluia. Nous allons prier et dire ceci. Je ne boirai pas. La sœur Pauline va nous conduire dans la prière. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Sa Majesté. Merci pour cet enseignement. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné par rapport à la malédiction. Amen.
Je refuse de boire la fontaine du chagrin au nom de Jésus. Je refuse de boire la fontaine du chagrin au nom de Jésus. Je refuse de boire la fontaine du chagrin au nom de Jésus. Je refuse de boire la fontaine du chagrin au nom de Jésus. Urima karabase kere bare kere 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 kere. Urima karabase kere bare kere kere kere. Haye makorobase kere bare kere. Je refuse de boire de la fontaine de chagrin. Haye makorobase kere bare. Je refuse de boire. Mes enfants refusent de boire à la fontaine du chagrin. Ah, ma famille refuse de boire à la fontaine du chagrin au nom de Jésus. Rima karabase kere bare kere 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 kere. Ayama koroba sekere bare kere kere kere. Les enfants de mes enfants ne boiront pas à la fontaine du chagrin. Je refuse de boire. Ma lignée familiale refuse de boire à la fontaine du chagrin. Arema karaba sekere bare kere kere. Ouvre ta bouche, intercède pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Arema koroba sekere kere bare kere 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 kere. Urima karaba sekere bare kere kere. Je refuse de boire à la fontaine du chagrin au nom de Jésus. Je refuse, je refuse. Je refuse de boire la fontaine du chagrin. Arema koroba sekere bare kere 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 kere. Arema koroba sekere bare kere 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 kere. Urima karaba sekere bare kere 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 kere. Arema koroba sekere bare kere kere kere. Arema karaba sekere bare kere 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 kere. Arema koroba sekere bare kere kere kere. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je prends autorité. Je prends autorité. Sur toutes les malédictions émises contre ma vie au nom de Jésus. Sur toutes les malédictions émises contre ma vie. Répète trois fois et commence à parler en langue. Répète trois fois. Je prends autorité sur toutes les malédictions émises contre ma vie au nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes les malédictions émises contre ma vie au nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes les malédictions émises contre ma vie, émises contre mes enfants, émises contre ma lignée familiale. Ma lignée familiale. Je prends autorité sur toutes les malédictions émises contre ma vie. Haré ma koroba sekere bare kere kere ke. Haya ma koroba sekere bare kere 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 ke. Hara ma koroba sekere. Je prends autorité et j'annule. Je prends autorité et j'annule. Toute malédiction émise contre moi, contre ma famille, contre mes enfants. J'annule. Ah, j'annule toutes les malédictions. Je les rends nul et fait. Au nom de Jésus, je rends toute malédiction émise contre moi. Et nul effet maintenant là, au nom de Jésus. Je prends autorité parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir de prendre autorité sur tout ce qui est prononcé contre moi. Toute mauvaise malédiction, toute mauvaise parole, toute médisance émise contre moi, et consciemment ou inconsciemment, ou que j'ai émise moi-même contre ma vie, ah, je prends autorité et j'annule, j'efface avec le sang de Jésus. J'utilise le sang de Jésus contre toute malédiction émise contre moi, contre mon destin, contre ma destinée. Contre la destinée de mes enfants. Je prends autorité maintenant. J'annule. J'utilise le sang de Jésus. J'utilise le sang de Jésus pour enlever, pour effacer toute ordonnance écrite contre moi, contre mes enfants, dans ma lignée familiale. J'utilise le sang de Jésus contre toute malédiction, toute ordonnance, toute mauvaise pensée, toute écriture écrite, prononcée ou pensée contre moi. J'annule. Ça n'aura aucun effet dans ma vie, maintenant et à jamais, et dans l'avenir de mes enfants et des enfants de mes enfants, au nom de Jésus. Arema karabase kere bare kere 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 kere. Urima karabase kere bare kere 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 kere. Urima karabare kere 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 kere. Urima karabare kere 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 kere. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Seigneur, demandez à Dieu d'enlever toute malédiction qu'il aurait placée sur votre vie au nom de Jésus. Je demande que le Seigneur enlève toute malédiction placée contre ma vie au nom de Jésus. Que toute malédiction placée contre ma vie, contre la vie de mes enfants par Dieu soit enlevée maintenant au nom de Jésus. Papa, enlève toute malédiction prononcée contre moi. Ah, Papa, enlève toute malédiction que tu as prononcée contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, au nom de Jésus. Papa, enlève. Je viens devant toi, devant le trône de grâce, demander miséricorde et que toute malédiction lancée contre moi, contre mes enfants, contre ma lignée familiale soit enlevée maintenant. Papa, enlève, au nom de Jésus. Rema karaba sekere bare kere 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 toute malédiction prononcée par Dieu contre moi. Ah, Papa, enlève. Ah, oh Seigneur Jésus, je te demande, tu es mon avocat défenseur. Enlève toute malédiction prononcée contre moi, que tu as placée contre moi. Ah, peut-être dans mon ignorance. Eh, Rema Karaba, Sekereba, Rekerekereke. Ah, Rema Karaba, annule toute malédiction placée sur mes enfants maintenant. Ah, Rema Koroba, Sekereba, annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je commande à tout démon attaché à toute malédiction de me quitter maintenant au nom de Jésus. Répète trois fois. Je demande à tout démon attaché à toute malédiction de me quitter maintenant au nom de Jésus. Je demande à tout démon attaché à toute malédiction de me quitter, de quitter ma famille, de quitter mes enfants, de quitter ma lignée familiale maintenant au nom de Jésus. Je demande à tout démon attaché à toute malédiction de me quitter. Quitte-moi, quitte ma famille, quitte mes enfants. J'envoie le sang et je demande à tout démon attaché à toute malédiction qui est contre moi de me quitter. Quitte-moi, quitte mes enfants, quitte ma famille, quitte ma lignée familiale. Quitte mon foyer, quitte ma maison, quitte mon mari. Toute malédiction attachée, tout démon attaché à toute malédiction, quitte-nous maintenant là. Oh, Rema Karabaseke, ouvre ta bouche et crie à Dieu d'enlever cela maintenant au nom de Jésus. Non pas demain, maintenant. Que tout démon attaché à toute malédiction contre toi, contre ta vie, contre ta lignée familiale, contre ton église, quitte maintenant au nom de Jésus. Ah, Rema Karabaseke, Rebarekerekerekerekerekerekereke. Ah, Rema Korobaseke, Rebarekerekerekereke. Je commande à tout démon attaché à toute malédiction de me quitter. Quitte-moi, quitte ma famille, quitte mes enfants, quitte ma lignée familiale, quitte-moi. Oh, quitte-moi. Au nom de Jésus, quitte-moi. Arre ma carabasse, que je divorce avec toi maintenant au nom de Jésus. Tout démon attaché à moi à cause d'une malédiction, je te demande de quitter. Quitte. Attaché à mes enfants, je te bombarde avec le sang de Jésus. J'envoie le feu. De ma tête jusqu'aux pieds, j'envoie le feu. Que tout démon attaché à toute malédiction dans ma vie, quitte-moi maintenant. J'envoie le feu. Que tu sois sur moi, dans moi ou autour de moi. J'envoie le feu. Quitte-moi. Dans tous les lieux cachés, j'envoie le feu. Tu ne résistes pas dans ma voix, dans ma vie, dans ma maison. Ah, tu ne résistes pas. Rema karaba sekere bare kere 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 kere. Ah, rema koroba sekere bare kere 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 kere. Ah, rema koroba sekere bare kere 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 kere. Ah, rema karaba sekere. La pluie de feu dans tous les démons attachés à moi, attachés à ma soeur, à mon frère. J'envoie le feu. Que le feu brûle
brûle maintenant, brûle, brûle, brûle de la tête jusqu'aux pieds. Ah, remakara, dans tous les départements de ma vie. Ah, remakara, parekereke, dans tous les lieux cachés, que le feu brûle, que le feu brûle. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Ah, remakara, de ma tête jusqu'aux pieds. Ah, remakara, parekereke. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que toutes les malédictions émises contre moi, que toutes les malédictions émises contre moi soient converties en bénédiction au nom de Jésus. Soient converties en bénédiction. Que toutes les malédictions émises contre moi soient converties en bénédiction. Je convertis maintenant toutes les malédictions émises contre moi en bénédiction. Je convertis toutes les malédictions émises contre mes enfants en bénédiction. Je convertis toutes les malédictions émises contre ma lignée familiale en bénédiction. Ah, cause je convertis toutes les malédictions que j'ai émises moi-même contre moi en bénédiction. Ah, re makaraba reke. Ah, j'ai converti toutes les malédictions que moi-même j'ai ouvert ma bouche pour émettre contre moi en bénédiction. Re makaraba sekereba reke. Uri makaraba sekereba reke. Ah, que les malédictions que j'ai émises moi-même de ma propre bouche contre mes enfants, contre mon mari, contre mon mariage, contre tout ce qui me concerne, je convertis cela maintenant en bénédiction au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, ouvre, ouvre, ouvre. Haré makaraba sekereba rekerekereke. Haré makaraba sekereba rekerekerekereke. Toutes les malédictions que j'ai même pensées, que j'ai émises même dans mes pensées, je les convertis maintenant en bénédiction. Haré makaraba sekereba rekerekereke. Haya makoroba sekereba rekerekereke. Haré makoroba Haré makoro basekere, papa tourne en bénédiction, haré makoro basekere, bareke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 rek
ma vie, dans la vie de mes enfants, dans toute la vie de tous mes enfants, soit brisé, dans la vie de tous les enfants de ma lignée familiale, soit brisé. Je me lève contre toute malédiction de maladie physique et mentale. Aïe, ma koroba, soit brisé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute malédiction d'échec et de défaite soit brisée maintenant. Que toute malédiction d'échec et de défaite soit brisée. Et de défaite soit brisée. Ah, Yama Koroba Sekereba. Toute malédiction d'échec et de défaite soit brisée. Oh, Rema Karaba Sekere. Toute malédiction d'échec et de défaite soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction d'échec et de défaite soit brisée au nom de Jésus. Arema Koroba Sekere. Toute malédiction d'échec et de défaite soit brisée au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Toute malédiction de pauvreté soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction de pauvreté dans ma famille, dans ma lignée familiale soit brisée. Toute malédiction de pauvreté dans ma lignée familiale soit brisée, soit brisée, soit brisée par le sang de Jésus maintenant. Ah, toute malédiction de pauvreté dans ma lignée familiale, dans ma vie, dans mon groupe de prière, dans l'église New Beginning, toute malédiction de pauvreté soit brisée maintenant. Soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus. Hare ma koroba sekere bare kere 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 kere. Uri ma karaba sekere bare kere 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 kere. Christ est rendu pauvre pour que je sois riche au nom de Jésus. Ah, je ne suis pas candidat de la pauvreté au nom de Jésus. Hare ma karaba kere kere kere. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Toute malédiction de rupture familiale soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction de rupture familiale soit brisée, soit brisée, soit brisée. Je te brise maintenant. J'utilise le marteau de Dieu pour te briser. Utilise le marteau de la parole de Dieu pour briser toute malédiction de rupture familiale. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. J'utilise le marteau de parole de Dieu pour briser malédiction liée à la rupture familiale. Malédiction liée à la rupture familiale. Je te brise. Je brise dans ma lignée familiale. Rema karaba reke. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Toute malédiction d'oppression et de mauvaise réputation, je te brise maintenant au nom de Jésus. D'oppression, malédiction d'oppression dans ma famille, dans ma vie, dans ma vie. Ah, malédiction d'oppression dans ma vie, à mon lieu de travail. Je te brise maintenant. Je brise toute malédiction d'oppression. Soit brisé par le sang de Jésus. Rema karaba reke 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 reke. Uri ma karaba seke reba reke reke. Hare ma koroba seke reba reke 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 reke. Soit brisé. Remax dans la vie de mes enfants. Arrête ma carabari, kere. Soit brisé au nom de Jésus. Toute malédiction de mauvaise réputation. Arrête ma car, soit brisé. Toute malédiction d'oppression. Soit brisé. Dans la vie de mes enfants. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Ah, dans ma lignée familiale. Arrête ma carabasse, kere. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toute malédiction d'autodestruction ou de suicide soit brisée maintenant au nom de Jésus. Toute malédiction d'autodestruction et de suicide. Ah, toute malédiction d'autodestruction qui sort de ma propre bouche ou de suicide. Ah, soit brisée. Aucune personne ne doit se suicider dans ma famille au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de suicide. Ah, je brise toute malédiction de suicide. Pas de Caïn, pas de Judas dans ma famille au nom de Jésus. Ah, pas de Judas.
sida dans ma famille au nom de Jésus. Pas de malédiction de suicide collectif. Dans ma vie, là où je me trouve, n'importe où je veux me trouver, je ne dois pas être victime d'une malédiction de suicide collectif. Ouvre ta bouche et place l'interdiction maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Toute malédiction de travail acharné sans profit soit brisée. Au nom de Jésus, toute malédiction de travail acharné sans profit soit brisée. Ah, je refuse de travailler sans profit au nom de Jésus. Je refuse d'être esclave. Toute malédiction d'esclavage placée sur ma vie soit brisée maintenant au nom de Jésus. Toute malédiction d'esclavage placée dans la vie de mes enfants soit brisée. Je refuse d'être esclave, travailler sans profit. Au nom de Jésus. Hare makaraba sekere bare kere 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 kere. Uri makaraba sekere bare kere 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 kere. Uri makaraba sekere bare kere 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 kere. Uri makaraba kere 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 kere. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Toute malédiction de sorcellerie soit brisée maintenant au nom de Jésus. Malédiction de sorcellerie soit brisée. Ah, toute malédiction de sorcellerie dans ma famille. Toute malédiction prononcée par les sorciers dans ma famille, dans ma vie, dans la vie de mes enfants soit brisée maintenant. Toute malédiction, j'utilise la parole de Dieu pour effacer toutes les ordonnances écrites contre moi par les sorciers dans ma famille. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Soit brisé. Haya makoroba sekere bare. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, merci pour ta bonté. Papa, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Papa, accepte notre prière, accepte nos pleurs, accepte tous nos cris vers toi maintenant au nom de Jésus. Que les réponses de nos prières descendent individuellement et collectivement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté. Papa, merci parce que tu es grand. Merci Papa, parce que merci. Tu n'as jamais changé. Merci parce Papa, que tu merci. Ne somnons ni ne Papa, peur. Merci. Ah, nous refusons toute rétaliation dans notre vie, dans notre famille à cause de ces prières au nom de Jésus. Amen. Nous couvrons du sang de Jésus. Nous Amen. Couvrons toute cette plateforme du sang de Jésus. Amen. Nous couvrons nos familles respectives du sang de Jésus. Amen. Ce qui est précieux à nous, nous le couvrons du sang de, Jésus. Sang de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. 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 Papa, nous voulons te dire merci. Que chacun, même dans son privé, doit maintenant commander les bénédictions sur toi-même. En fonction de Galates chapitre 3, verset 14, il dit qu'afin que les bénédictions, maintenant, comme tu as détruit les malédictions, que les bénédictions de Dieu descendent sur toi. Ces bénédictions sont souvent dans Deutéronome 28, de 1 à 13. Vous maintenant déversez. Surtout les bénédictions là sur vous-même. Papa, nous te disons merci. Merci. Que toutes les bénédictions que tu as évoquées, Papa, dans Deutéronomie 28, de 1 à 13, Papa, sois déversé sur nous tous maintenant, Amen. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Papa, toi, tu as promis que l'esprit de consolation, l'esprit de Dieu viendra remplacer tous les mauvais esprits de la malédiction.
Esprit de Dieu, sois notre guide. Amen. Reste en nous maintenant, Amen. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Papa, pendant que nous marchons, il n'y a plus de malédiction pour nous, il n'y a que les bénédictions. Amen. Il n'y a plus d'enchantement, il n'y a plus de divination pour chacun de nous. Papa, il n'y a plus que le ciel qui ne fait que nous bénir. La rosée du ciel se déverse sur nous. Papa, nous te disons merci. Esprit de Dieu, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.